Ces lycées qui font rêver de par leur histoire et de par leur prestige. 1945-1946, c'est la date de référence de la création du premier lycée d'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire. À savoir qu'il s'agit du cours secondaire protestant d'Abidjan, qui est depuis connu sous le nom du lycée classique. Le lycée Mamie Oufouéfété et le lycée Garçon, tous deux de Bingerville, pour ne citer que ceux-là, qui font également partie des établissements de référence. Des lycées de renom qui demandent énormément d'efforts, tant que pour l'entrée que pour la poursuite des études. Les élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 15. Parce que dans ces lycées d'excellence-là, étant donné qu'ils prônent l'excellence, il faudrait que ces élèves-là viennent avec un bagage intellectuel. Et ces lycées-là se chargent de fructifier le peu qu'ils ont parce que ces élèves-là représentent l'élite de demain. Et donc, dans ces lycées d'excellence, on exige qu'au moins l'État mette des enseignants qui aiment beaucoup le travail. Il faut avoir de fortes moyennes, beaucoup étudier et tout. Il faut se concentrer sur l'école. Il faut être focus sur l'école, au fait. Selon moi, c'est comme ça qu'il faut faire pour intégrer ces écoles-là. Les Ivoiriens sont fascinés par les lycées d'excellence car une très bonne partie des cadres du pays ont puisé une importante partie de leur savoir au sein de ces structures prestigieuses.